Bonjour à tous et bienvenue à tous les VIP. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier encore une fois pour votre implication et vos réponses nombreuses, vos mails avec vos suggestions, vos idées, tout ce que je reçois dans ma boîte mail quotidiennement. Je vous remercie vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi enthousiaste que moi sur ce projet. Et voilà, je voulais profiter de l'occasion donc pour vous présenter un petit peu comment la formation est articulée, parce que bon, je reçois quelques questions me demandant, mais Jean-Yves, comment tu vas faire pour mettre tout ce que tu as promis dans la vidéo? Donc, plutôt que d'écrire un long texte, j'ai décidé de vous présenter donc la façon dont la formation va se passer, comment elle va s'articuler, et vous allez voir, vous allez adorer. Donc, dans un premier temps, la première chose que nous allons faire, c'est un gros module sur l'état d'esprit à avoir, une sorte d'introduction en fait à votre mémoire, votre apprentissage et vos techniques, vos outils pour pouvoir apprendre absolument tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas apprendre quoi que ce soit un livre, que ce soit des cours, une formation, vous ne pouvez pas apprendre quoi que ce soit sur un terrain souillé, sur un cerveau qui n'est pas entretenu. Et donc, nous allons d'abord nous attacher à ça dans la première partie du gros module, c'est-à-dire à planter des graines qui feront de votre cerveau un arbre, un véritable arbre à connaissances. Au passage, cet arbre, on l'appelle le flamboyant, je le trouve très joli, et le mot flamboyant commence à me donner quelques idées pour le nom de la formation. Mais nous verrons ça plus tard. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment lutter contre tout ce qui est procrastination, tout ce qui est voilà, j'ai un problème, je m'intéresse à rien et mes examens c'est pour bientôt. Voilà, j'ai perdu l'habitude d'apprendre, je ne sais plus comment on fait. Voilà, je ne sais pas comment apprendre toute cette quantité d'informations qu'on me demande d'apprendre par cœur. C'est ici qu'on va ensemble régler tous ces petits problèmes pour pouvoir être dans les bonnes dispositions pour utiliser les outils. Ensuite, une fois cette première partie du module passée, nous allons ensemble ici atterrir sur la grosse partie de la formation qui est un énorme module sur les meilleures techniques, les meilleurs outils qui vont vous aider pour votre apprentissage. Les meilleures techniques de mémorisation, je vais vous guider pas à pas pour les faire. On va faire les exercices ensemble. Comme vous l'avez choisi, ce sera plutôt des formations avec des petites vidéos courtes, comme vous pouvez déjà le constater en fait, j'aime pas trop les PowerPoints, je préfère les flèches avec ben voilà, les textes qui s'écrivent au fur et à mesure, avec des informations un peu dynamiques, pas mal d'images. Ici, nous allons apprendre les meilleures techniques, je vais vraiment tout vous livrer ici. Vous allez avoir les meilleurs outils pour apprendre tout ce qu'il vous faut, pour même directement vous former sur un métier de A à Z. Dans ce module, c'est donc là votre grosse base de données que vous allez apprendre et que vous allez avoir des petits exercices. Je vais vous donner des petits exercices qu'on va faire ensemble, pardon, jour après jour. Ça va aller très vite et ici vous allez vous bâtir vraiment une base de connaissances, un endroit de stockage pour toutes vos données que 99% des gens de la population n'auront jamais. Parce que tout simplement, ils ont appris, on leur a appris, d'ailleurs on vous a appris et on m'a appris également, au début, à travailler avec un modèle d'éducation qui date du 19e siècle, de la révolution industrielle également, et qui n'a jamais évolué depuis. Seulement, aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a beaucoup d'informations qui arrivent en continu, et nous avons besoin d'outils, vous avez besoin d'outils beaucoup plus rapides pour apprendre les choses. Une fois que vous aurez maîtrisé ce module, et c'est là l'originalité et toute la puissance de la formation, à partir de là, une fois que vous avez passé ce tronc commun, vous êtes libre d'aller absolument où bon vous semble dans la formation. Cette formation, donc, elle sera optimisée pour la vie scolaire et pour la vie en entreprise. Vous pourrez partir dans la direction que vous voulez après. Vous aurez des différents petits modules que vous pourrez choisir jour après jour, dans l'ordre que vous voulez. Vous aurez notamment, alors ça peut changer, des choses peuvent s'ajouter en fait, mais les 10 premiers modules, vous aurez un module de lecture rapide, un module de mind mapping, donc ce qu'on appelle les cartes heuristiques. Vous verrez que c'est absolument idéal pour apprendre des cours. Un module sur les langues, un module sur justement mémoriser les livres, un module sur l'histoire, les dates, comment les retenir,
qu'elle soit complexe ou qu'elle soit simple. Vous aurez un module sur la géographie où là vous pourrez apprendre absolument n'importe quelle donnée géographique où que vous habitiez dans le monde. Vous aurez un module sur les mathématiques, les nombres, les formules. Tout ça n'aura plus de secret pour vous. Vous aurez un module sur la gestion du temps, les horaires, les emplois du temps, tout ça dans votre tête plutôt que dans votre organiseur. Vous allez voir pourquoi il est préférable de faire comme ceci. Vous aurez un module sur les unités de mesure et toutes les faits que d'habitude vous cherchez sur Google pour savoir combien fait un pouce, un litre, un gallon, etc. Donc, tout ceci va vous servir de petite base de données, donc vous n'aurez plus à chercher tout ça, vous pourrez faire les conversions très rapidement. Vous aurez un module que j'appelle championnat du monde pour les gens qui veulent aller vraiment plus loin dans le domaine de la mémoire et porter ça à un niveau vraiment compétitif. Vous aurez donc toutes les épreuves des championnats du monde avec un tutoriel sur comment faire, comment même devenir champion en France de mémoire, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de championnat de France. Avec ce module vous aurez tous les outils pour vous préparer par exemple, et bon, pour venir pourquoi pas champion de France de mémoire. Vous aurez également un module sur les noms et les visages, sur comment mémoriser des discours, comment présenter des rapports d'activité sans jamais jeter un coup d'œil à votre feuille de notes. Je l'ai fait deux fois, deux années de suite. Tout ceci et bien d'autres modules encore. Après, nous allons voir selon vos suggestions comment on va procéder. Mais voilà, vous avez donc comment se passera la formation dans les grandes lignes. Plus tard, je vous enverrai des emails où chaque module sera détaillé et vous m'aiderez à les concevoir et vous les testerez. Donc voilà, vous savez un petit peu maintenant comment ça se passe. On plante les graines de votre arbre de la connaissance, votre flamboyant, et ensuite vous passez donc à la grosse base de données, le gros tronc commun d'exercices et de techniques ultimes pour apprendre absolument ce que vous voulez dans n'importe quel domaine. Et ensuite vous partez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire de la lecture rapide, vous ferez autre chose. Si vous n'avez pas envie de faire du mind mapping, vous ferez autre chose. Si c'est seulement l'histoire qui vous intéresse, vous pouvez ne faire que de l'histoire. J'ai préféré faire comme ça plutôt qu'une formation linéaire où finalement on décroche assez vite parce que tout ne nous intéresse pas au même niveau. Là, vous allez aller directement à l'essentiel, vous apprenez la base et ensuite c'est vraiment vous qui décidez comment vous allez vous former. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt, je vais vous écrire très prochainement. Et déjà, si la vidéo vous a plu, si ma façon de faire les vidéos vous plaît ou ne vous plaît pas, ma boîte mail est ouverte, je vous réponds dans les meilleurs délais. Merci beaucoup.